Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo d'ici Galerie. Alors ne faites pas attention à ma tête parce que je sors de la douche. Je suis tout frais ici et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler de la première vidéo d'ici Galerie aujourd'hui. On s'attaque à un des personnages qui au départ était un des personnages débiles, mais qui actuellement est devenu un des personnages connus de l'univers de Batman. Et oui, vous ne rêvez pas. Je vous souhaite la bienvenue dans cette DC Galerie consacrée à Jonathan Crane, alias l'épouvantail. Je sais ce que vous êtes en train de dire. Comment ça se fait qu'un méchant comme l'épouvantail est devenu populaire dans le monde des comics actuellement? Je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord, voyageons un peu dans le temps. Dans sa première apparition dans le World Fitness Comics numéro 3, sorti en 1941, dessiné par Bill Finger et Bob Kane, les papas de Batman, l'épouvantail ne fera que deux apparitions très marquantes pendant l'âge d'or, vêtu d'un costume brun et d'une mitrailleuse façon années 60. À ce moment-là, le personnage n'était qu'une simple menace secondaire qui réalise que des braquages et des menus sans conséquences et victimes. A partir de là, l'épouvantail sera oublié par le public jusqu'en 1967 où le personnage sera réécrit par Garden Fox et Sheldon Moldoff dans le Batman 189 en lui donnant son arme symbolique, le gaz de terreur, ce qui fera de lui un des ennemis incontournables du Chevalier Noir. Pendant l'âge de bronze, le personnage deviendra membre fréquent de la Injustice Gang. Après les événements de Crisis on Infinity Earth entre 85 et 86, les origines criminelles de l'épouvantail, qui au départ était un professeur de psychologie qui devient fou après un licenciement, seront écrits et il gagnera en Origin Story avant qu'il fasse des apparitions mémorables dans la petite saga de Jeff Lowe et Tim Sale, Batman à Long Halloween, sortie en 96. Et en même temps, le personnage commencera à être apprécié par le public grâce à ses apparitions dans la série animée Batman de Bruce Timm. En 2005, c'est Christopher Nolan qui proposera d'adapter le personnage au cinéma en faisant de lui un des méchants secondaires pour sa trilogie Batman. Dans l'âge moderne, l'épouvantail sera connu par le public grâce à ses inoubliables apparitions dans les jeux vidéo de Rocksteady, à savoir Batman Arkham, qui sera propulsé sur le devant de la scène depuis 2009 jusqu'à 2015, faisant de lui un des méchants les plus dangereux de l'univers de Batman. La véritable identité de l'épouvantail est bien évidemment Jonathan Crane. On estime qu'il mesure 1m82 en pesant 63 kg. Sa première apparition date du comics du World Fitness Comic numéro 3 sorti en 1941. Ses emplois, on peut signer que quoi il est professeur de psychologie à l'université de Gotham et, cela dépend des histoires, psychiatre à l'asile d'Arkham. Son QG s'étend bien évidemment dans tout Gotham City et plus précisément à l'asile d'Arkham. Les capacités qu'il peut faire, il est expert dans les domaines de la psychologie et de la biochimie, expert au corps à corps, utilisation de toxines pour éveiller les peurs les plus profondes de ses victimes et utilise comme arme une faux. Ses avantages sont sa mise en scène et l'exploitation des peurs et phobies de ses victimes. Pour ses inconvénients, il a un physique chétif, sa chiptérophobie, donc la peur des chauves-souris, et n'avoir aucun pouvoir. Son ennemi principal reste bien évidemment Batman. On pourra noter des faits divers comme son premier meurtre dès l'adolescence où il a effrayé un couple de lycéens provoquant l'accident de leur voiture et aussi il a tué les dirigeants de l'université de Gotham qui étaient ses premiers employés. Petite origin story, alors qu'il était encore enfant à l'école, le petit Jonathan Crane est en permanence rejeté à cause de son style ringard de rat de bibliothèque. Surnommé l'épouvantail par ses bourreaux, il ne tarde pas à utiliser ce surnom pour se venger en planifiant des stratagèmes d'épouvante dirigés contre ces derniers. Donc voilà, après cette petite histoire où je consacre sur le personnage, maintenant on va plutôt s'attarder sur différents supports, les choses concernant le personnage de l'épouvantail. Donc on commence tout de suite avec les comics. Donc au niveau comics, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de comics où tu as l'épouvantail comme méchant principal. Normalement, il y en a 5 que je peux vous conseiller.
Bon, ici j'en ai que trois, donc les deux autres ce sera en photo, donc je vous le montrerai après. Tout d'abord, je vous conseille cette collection là, Batman le Chevalier Noir. Il y a trois tomes, je ne sais pas si vous le voyez, il y a trois tomes. Bon, l'épouvantail n'est pas le méchant principal là-dedans, puisque là c'est plus avec le Chapelier Fou. Donc il y aura une vidéo sur le Chapelier Fou, bien évidemment j'en ferai une. Et on va dire que là, il y a une petite apparition où on voit de l'épouvantail, c'est vers la fin. Et tu vois qu'il est plongé dans son cauchemar, c'est-à-dire revoir les tortures que son père lui a fait et tout ça. Par exemple là. Dans toute cette séquence-là, tu revois comment Crane est devenu l'épouvantail. Par rapport à tout ce qu'il a eu par rapport avec son père et tout ça, pourquoi son père se servait de lui comme sujet de test pour la toxine de terreur. Et ça, c'est bien. Bon, au niveau scénario, l'épouvantail, certes, n'est pas un méchant principal, mais ça reste quand même une histoire assez sympathique avec le Chapelier Fou. Donc, je vous conseille ça, ainsi que les trois autres, si l'épouvantail est dedans, parce que je n'ai lu que ça, mais je n'ai pas lu les autres. Après, ça paraît un petit peu bizarre. Mais bon, que voulez-vous ? On a bien évidemment une photo que je vais mettre là. Le Arkham Asylum, c'était, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars qui l'a dessiné, enfin bref. Dans ce récit, les deux personnages principaux sont Batman et le Joker, et le lieu, c'est l'asile d'Arkham. Donc, je pense que tout le monde sait que c'est avec ce comics-là que le jeu vidéo Batman Arkham Asylum a vu le jour. Eh bien, pour là-dedans, je l'avais lu quand j'étais en magasin ou quoi que ce soit. J'aime bien bouquiner de temps en temps. Je l'ai lu un petit peu et si je me rappelle bien, l'épouvantail n'a pas un rôle hyper important. Il a une petite apparition sur une petite case et c'est assez sympathique. Alors, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi est-ce que je vous présente un comics dont l'épouvantail n'apparaît pas beaucoup? Parce que quand tu lis ce comics-là, tu vois bien que les dessins et tout ça, les couleurs et tout, c'est pas comme tu vois dans les comics de nos jours. Là, c'est plus des couleurs qui, avec des dessins qui, t'as l'impression que c'est sorti de notre imagination et que, à force de le lire, tu vas sombrer dans la folie, en fait. En lisant ce comics-là, tu vas sombrer dans la folie. Et c'est le but du comics, après tout. Puisque le lieu, c'est l'asile d'Arkham. Quand tu es dans l'asile d'Arkham, tu deviens complètement taré. C'est comme ça. Donc, ce comics-là, je vous le conseille. Je l'ai lu, franchement, il vaut vraiment le coup. Et c'est avec ça qu'on a eu le droit au jeu Arkham Asylum. Voilà. Ensuite, un des classiques de l'univers Batman avec un autre, c'est bien évidemment un long Halloween. Encore une fois, là-dedans, l'épouvantail n'a pas un rôle important. Mais si je me souviens bien, il y a une case dédiée à lui où je le trouve magnifique. Il faut juste que je le retrouve. Là, regardez. La double page, l'épouvantail sur son cheval. Et là, après. Voilà. Ça, c'est génial. Et d'ailleurs, cette planche-là a inspiré Christopher Nolan pour faire son épouvantail dans Batman Begins. Parce que tu vois à la fin que l'épouvantail est sur son cheval qui poursuit Rachel Dawes, je crois, dans les Narrows. Et pour moi, c'est génial, quoi. Franchement, un long Halloween, je vous le conseille énormément. Je vous le conseille. C'est franchement quelque chose de correct. Bon, en voyant... C'est un gros pavé, donc ça va vous mettre environ, je pense, une journée ou deux pour le lire. Plus avec un autre qui est Amère Victoire, qui est la suite d'un long Halloween. Et ces deux comics-là que je vous conseille évidemment parce que ça fait c'est culte de l'univers de Batman en fait. Certes, c'est pas comment dire, l'épouvantail n'est pas le méchant principal là-dedans, mais au moins c'est deux comics qui vaut largement le coup. Et si t'es fan de Batman, bien évidemment, je te conseille ceci, bien évidemment, hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Bon, bref, moi. À chaque fois que je vois ça, franchement, je suis ébloui en voyant ça. Parce que ça, c'est un tableau qui représente fort l'épouvantail. Donc voilà, donc, je le répète. Un long Halloween et Amère Victoire, je vous le conseille pour le personnage. Il n'apparaît pas beaucoup, mais dans celui-là, au moins, là, sa prestance est déjà incroyable. Et pour terminer, au niveau comics, là, c'est un petit peu particulier. Puisque c'est avec ce comics-là dont j'ai trouvé inspiration pour faire la vidéo. C'est un comics qui regroupe tous les anciens comics jusqu'à maintenant sur un personnage de l'univers Batman. Et cette collection, ça s'appelle Batman Arkham. Bon, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, je tiens à préciser, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. De toute façon, je vous montre la couverture. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins ce style de comics, au moins dans les librairies. Alors, j'explique. C'est en fait... Voilà, regardez, je vous montre. C'est en fait une collection de comics consacrée à un méchant où tu vois ses premières apparitions jusqu'à maintenant.
Genre, comme je le disais dans mon introduction, le World Fitness Comic numéro 3, ben regardez, dès que tu ouvres la première page, hop, voilà le comics que tu es sur le point de lire. Voilà. Ça te montre tout sur le personnage. Et franchement, je trouve ça génial, honnêtement. Et ça montre pourquoi il y a eu de l'évolution pour l'écriture du personnage dans les comics et tout ça. Il y a eu beaucoup d'évolution. On est parti d'abord sur un épouvantail qui était professeur de psychologie à Gotham et qui s'est fait. Il a pété un câble parce qu'il est devenu fou. Enfin bref. Bon, je vais pas répéter. J'ai déjà tout dit avant, donc je vais pas répéter. Donc franchement. Ça vaut le coup, ça, franchement. Si tu veux te renseigner sur un méchant de l'univers Batman pour en apprendre un peu plus, je te conseille ça. Ils en ont fait plein. Ils ont fait sur l'épouvantail, ils ont fait sur le pingouin, Mr. Freeze, le mystère, ils ont fait sur Double Face et Poison Ivy également. Mais par contre, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un Joker sur ça, parce qu'à mon avis, je ne crois pas qu'il y ait un Joker, puisque le Joker, si tu veux savoir tous les comics avec le Joker, t'achètes une anthologie. Voilà. Moi, j'en ai au moins déjà deux dans mon étagère. C'est déjà très bien. Mais bon, bref, ça, si tu aimes bien l'épouvantail et que tu veux voir tous les comics en rapport avec lui, eh ben, ce comics-là est fait pour toi, mon pote. Ce comics-là est fait pour toi et franchement, c'est une claque. Quand tu vois l'évolution du personnage, que ce soit origin story, design ou quoi que ce soit, c'est génialissime. En plus, si je crois bien, là-dedans, il y a une planche que j'avais vue sur l'épouvantail. Enfin, il y avait... On le voyait bien dedans. Et je le trouvais, mais franchement, incroyable, quoi. C'était quelque part ici. Ah, je trouve plus. Ah, voilà. Regardez. Là, on peut dire que c'est vraiment l'épouvantail. Là il a une classe magnifique, quoi. Il manque plus que son arme, là, la faux, et c'est bon. Donc, voilà. Donc, voilà pour les comics. Comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas beaucoup. Maintenant, on va passer à la catégorie films et séries. Jonathan Crane isn't here anymore. It's just a scarecrow. Alors, films et séries, il y a quand même quelque chose que je peux vous proposer hein, pour le personnage de l'épouvantail. Tout d'abord, tu as la série animée Batman de Bruce Timm, où l'épouvantail n'apparaît pas beaucoup. Il a, je crois, 3-4 épisodes dédiés à lui. Mais ces 4 épisodes, là, tu reconnais l'épouvantail et là, tu peux te dire que là, le personnage est iconique et c'est clair. Le personnage est iconique. Tu as 4 épisodes, tu en as une où il se venge de ses, de l'origin story de base, où il était professeur de psychologie dans une université, qui a été renvoyé et que du coup, il veut se venger. Deuxième épisode, c'est quand il... déverse... Attendez, faut que je m'en rappelle. C'est quand il empoisonne les lycéens dans l'université de Gotham pour avoir de l'argent. Troisième, c'est quand Batman a des hallucinations, il voit un Joker, un pingouin, un double face géant, pendant que l'épouvantail veut dissimuler sa toxine dans les égouts sous Arkham. Et le quatrième épisode, je m'en rappelle plus. Mais bon, bref. Dans ces 4 épisodes-là, l'épouvantail est franchement génial, franchement. En vrai, quand j'avais vu ces épisodes-là, je me suis dit, mais voilà, l'épouvantail est là. Il est respecté pour moi. Pour moi, là-dedans, l'épouvantail est réussi. Et franchement, la série animée de Bruce Timm, si vous ne l'avez pas vue, achetez le coffret. Parce qu'il y a un gros coffret qui regroupe toutes les saisons. Ensuite, dans le cinéma, on a bien évidemment, ça je n'ai pas besoin de vous le montrer, les Batman de Nolan. Bon, on va dire que l'épouvantail est plus présent dans Batman Begins que dans les autres en fait. On va dire que dans celui-là, il fait de courtes apparitions, c'est vraiment pas grand-chose. Je crois qu'il apparaît au début et dans l'autre il apparaît je crois vers le milieu du film en tant que juge, je sais pas quoi. Enfin bref, dans Batman Begins, là l'épouvantail est introduit, attends, l'interprétation de Cillian Murphy est correcte, mais je reviens sur ce que j'avais dit. Cillian Murphy est très bon en Jonathan Crane, mais par contre son épouvantail, je ne suis pas fan. Le sac à patate costard cravate, je ne suis pas fan du tout. J'aurais voulu qu'il fait quelque chose de beaucoup plus... beaucoup plus épouvantail, tu respectes le costume de base. Les effets de sa toxine non plus n'étaient pas géniaux non plus. Hein. Parce que c'est juste une déformation de la réalité, mais c'est tout quoi. C'est pas genre tu vois des gros monstres ou quoi que ce soit. Voilà quoi. Moi j'aurais fait un épouvantail où dès que tu vois la personne qui est aspergée par le gaz, il est en mode fou. Et voilà quoi.
Mais bon, bref, je veux pas cracher dessus. Cillian Murphy est très bon là-dedans en épouvantail et en Jonathan Crane. Franchement, bien évidemment, je vous conseille ça. Mais pas que. Je vous conseille bien évidemment la trilogie Nolan. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que franchement, vous êtes passé à côté de succès phénoménal parce que ça, c'est une bombe, ces trois films-là. Et là, c'est un petit truc secondaire parce qu'il y a des gens, certes, qui crachent sur cette série en disant que ça vaut pas le coup et que ça n'a rien à voir dans l'univers Batman. Mais au moins dans cette série-là, ils ont la manière de bien traiter les méchants et les héros également, à savoir la série Gotham. La série Gotham, pour, concernant l'épouvantail, il y a des épisodes qui concernent à lui, qui lui dédiés. D'abord, la première saison, je crois que c'est l'épisode 14 ou 15, où là, tu vois comment il est, que son père se sert de lui pour cette expérience sur la peur. Et après, tu ne le vois plus avant l'épisode de, avant les deux premiers épisodes de la saison 4, où en épisode 2, il a un costume mais juste génial. Et là, je me dis, l'épouvantail est là. Il a une fosse, il balance son gaz et tout ça. Franchement, là, l'épouvantail est réussi. Vers l'épisode, je crois, 14, 15 ou 16, enfin, vers la fin de la saison 4, tu revois l'épouvantail. Il a un look façon épouvantail du jeu vidéo Arkham Knight. Il a une cagoule et tout ça. Il est parfait. Et dans la saison 5, on le revoit dans le premier épisode. Et il a le costume classique, c'est-à-dire avec le chapeau de sorcière ou quoi que ce soit. Et voilà. Mais évidemment, là-dedans, l'épouvantail, je trouve qu'il est réussi. Certes, c'est pas pareil comme dans la série animée de Bruce Lee. Mais là, c'est pas la même chose. C'est autre chose. Mais évidemment, si vous n'aviez pas vu la série Gotham, je vous conseille de la regarder. Si t'es fan de l'univers Batman, là, tu vas retrouver plein de références dans l'univers Batman. Parce que là, il y a plein de références. Tu vois l'évolution de chaque personnage, que ce soit Jim Gordon, Bruce Wayne et tout ça. Là-dedans, il y a tout. Il y a tout. Donc Gotham, regarde-la. Elle vaut franchement le coup. Et maintenant, partie jeux vidéo. Alors, trois jeux vidéo, là au niveau jeux vidéo, j'en ai trois. Il y en a trois que je vous conseille parce que là, c'est génial. Tout d'abord, Injustice 2. L'épouvantail est jouable dans ce jeu. Il est jouable. Mais par contre, je tiens même à le préciser que si vous avez prévu de faire des combos avec, vous allez en chier parce que c'est pas un personnage facile à jouer là-dedans. C'est pas un personnage facile à jouer. C'est un peu comme les gros personnages que tu vois là-dedans, comme Atrocitus, Bane et tout ça. C'est des personnages qui sont pas faciles à jouer, mais bon, ça reste agréable à regarder. Il a un coup spécial. Quand sa jauge est remplie, son coup spécial, je trouve pas mal. Franchement, il est vraiment pas mal. Il vaut vraiment le coup. Donc, Injustice 2, je vous le conseille. Si t'es fan de l'univers DC Comics ou de l'épouvantail, passe par ce jeu. Même par le 1. Bon, dans le 1, il n'est pas dedans, hein, l'épouvantail. Mais si t'es fan de DC Comics, je te conseille Injustice 1 et 2. Bien évidemment, je ferai ces deux jeux sur ma chaîne. Bien évidemment, c'est prévu puisque ma chaîne est dédiée à l'univers DC Comics. Faut pas déconner. Et bien évidemment, les mythiques. Batman Arkham, Arkham Asylum en 2009 et Arkham Knight en 2015. Là-dedans, dans ces deux jeux-là, l'épouvantail est réussi. Il est réussi. Notamment dans celui-là, première fois que tu y joues, franchement, tu te prends une claque d'enfer. Les trois apparitions qu'il a est juste incroyable. Dans le centre médical, dans le manoir d'Arkham et aux soins intensifs. Ça, là, l'épouvantail, pour moi, il est réussi. L'iconisation du personnage, tu y es. Et il a un look génial. Et puis, tu as Arkham Knight. Et là, l'épouvantail, il est parfait aussi. Là-dedans, il est génial. Il a un look, mais génial. Je préfère celui-là que le look d'Arkham Asylum. Il est un des ennemis principaux, mais c'est pas le cas, puisque tu apprends en avançant dans le jeu que c'est pas le cas. Mais bref, l'épouvantail est quand même agréable à regarder. Et là, tu sens la menace qu'il est, en fait. Parce qu'avant, dans celui-là, l'épouvantail, c'était juste un fou qui veut tester sa toxine ou quoi que ce soit. Mais là, il est plus vraiment fou. Là, il est un peu fou, mais il est plus sérieux, plus calme et tout ça. Mais là-dedans, je peux dire que tu vas passer plus de temps là-dedans pour l'épouvantail. Parce que celui-là, il y a trois scènes dédiées à lui et après, il repart, c'est tout. Bon, ça reste quand même génial, Arkham Asylum. Hein. Donc, voilà. Si tu veux vraiment une bonne frayeur avec l'épouvantail et le voir en pleine action et aussi être iconique, ben voilà. Arkham Asylum et Arkham Knight sont faits pour ça. Voilà.
Et donc voilà, ce sera tout pour ce que j'ai à vous proposer sur l'épouvantail. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose. C'était vraiment difficile de trouver quelque chose en rapport avec le personnage de Jonathan Crane. Mais bon voilà, j'ai su trouver quand même quelque chose et j'espère que ça vous a plu, bien évidemment. S'il y a des choses que j'ai loupées, vous pouvez me dire en commentaire d'autres comics où on a l'épouvantail. Et donc voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir, mais également un abonnement si ce n'est pas le cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo consacrée à ma création, mon histoire et de ce que je suis devenu. D'ailleurs, je sais qu'actuellement, vous regardez cette vidéo, c'est la fête d'Halloween, la fête que tout le monde adore. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire à tous, joyeuse fête d'Halloween et bonne soirée de frayeur à vous.